C'est bon. Je suis Charles-Henri Ducré, le propriétaire du Parc Hôtel M Galerie à Grenoble. Parc Hôtel familial qui appartenait à mon papa qui l'a créé en 1961. L'hôtel a un vrai lien avec l'histoire grenobloise, avec les JO de 68, avec la Coupe Davis donc de 82. C'est le premier hôtel 4 étoiles construit après la Seconde Guerre mondiale. C'est pas un hôtel à la mode, parce que la mode passe, mais le style reste. Il y a un vrai style, il y a une vraie empreinte. Et c'est très important qu'on ne se galvaude pas, qu'on ne devienne pas un hôtel standardisé avec une âme qui ne serait plus là. C'est un métier qui est formidable dans le sens où tous les jours on se réinvente, on a des nouveaux clients, des nouveaux guests, on a des clients qui sont habitués, ils ont leurs affaires privées qui sont gardées à l'hôtel et on les remet dans les chambres. Donc voilà, on va vraiment aller sur ce côté coûts humains. Les endroits de la métropole qui me tiennent à cœur, il y a déjà les Anne Sainte-Claire dans le sens où j'allais quand j'étais tout petit faire les courses avec mon père, c'est tout. Des fournisseurs qui sont devenus des amis, des partenaires. Un autre lien qui me tient à cœur dans le territoire, c'est les caves de la Chartreuse. Et c'est vrai que cette liqueur de la Chartreuse, parce que c'est un produit magnifique et peut-être le numéro un pour mettre en avant notre territoire.